komona milembo biye bitalisa mosuka milembo ya tukumine na mibale yango etalisi te honorable Andre Mbata asimboli na maponami asili bongo kolonga na maponami masani ya mokoma lelo mpe akomi bongo molandi mokambi wa yambo ya assemble nationale ye akitani bongo Jean-Marc Kabunda ebonga ya ye atikaki uto mia tuku misato na yambo ya sanga ya misato mokolo boye assemble nationale endimaki bongo bosenga bwaye ete atiki mosala mwaye bo molandi mokambi wa yambo ya assemble nationale. Ya kama iya na makumi ya nazole ina banko ya kizoni vandaka awa honorable député iya nazole za pona yandi sa mavanda mtu adisi to kilandi ya tete ya mtu adisi ya assemblée nationale le résultat de vote au poste de premier vice président de l'assemblée nationale sur 343 votants 439 votants sur 439 votants. L'honorable candidat au poste de premier vice-président a obtenu le résultat suivant. 402 voix. Sur 349. 39 s'il vous plaît. 20 députés ont voté non. 12 députés se sont abstenus. Et 4 bulletins nuls. En conséquence, l'honorable Mbata Betukumesu Mangu André, ayant obtenu plus de la majorité absolue de suffrage exprimée, est proclamé premier vice-président de l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Très sincères félicitations. Honorables députés, chers collègues, au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau et au mien propre, je présente à l'honorable Mbata Betukumesu Mangu André mes très chaleureuses félicitations. Au terme de l'article 111
de la Constitution, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, étant désormais connu, dès lors, le bureau de l'Assemblée nationale affiche complet. À présent, nous en arrivons à la seconde étape relative à son installation. Mais avant de l'inviter dans quelques instants à monter au podium pour occuper sa place au perchoir, je m'en vais lui accorder la parole, envie d'adresser un mot à l'auguste assemblée. Cher collègue Mbata. Yasolo, maloba et pesami na moponami, ya mokolomwa lelo, moulani mokambiwa yambo ya assemblée nationale, André Mbata, Beto Koumenso, Mango, Otea Koukakoumba. Maloba, président de l'Assemblée nationale. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers collègues, ayant été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale avec un score jamais obtenu dans cet hémicycle, je voudrais, avant toute chose, dire mes remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le béton sacré sur lequel repose l'union de la nation et dont la révolution a permis le changement qui s'opère ce jour dans cette Assemblée nationale. Je voudrais également dire merci à votre bureau, honorable président, pour ce qui a été fait ce jour, afin que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. Je ne puis m'empêcher de remercier de tout cœur les collègues membres de la majorité de l'Union sacrée de la Nation qui se sont tous déplacés pour qu'on en arrive à cette élection historique. Je remercie également du fond du cœur tous les collègues membres de l'opposition qui, en ce jour, ont décidé de mettre fin au boycott sur la loi électorale et qui se sont déplacés pour venir me porter à la première vice-présidence de cette Assemblée, je le remercie. Mes pensées vont également à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mon parti politique et au leadership de l'UDPS, à toutes les combattantes, à tous les combattants de l'UDPS ici, représentant ceux de l'ensemble de la nation, qui se sont déplacés pour saluer cet événement. Mes pensées ne peuvent pas s'empêcher d'aller également vers mes électeurs dans la circonscription électorale de Dimbelenge, au Kasaï central, qui en m'élisant m'ont en fait permis de siéger au sein de cette Assemblée nationale. Je pense également à mon groupe parlementaire, le groupe parlementaire CASH, qui n'a lésiné sur aucun moyen pour que cette élection soit un grand succès. Je remercie également toutes ces personnalités, plusieurs anonymes, qui ont concouru à cette élection, qu'ils soient à l'intérieur du pays et dans la diaspora,
ils ont souhaité que cela arrive, je voudrais leur dire très grand merci. Mes pensées, c'est également envers l'ensemble de notre peuple dont nous sommes les représentants et pour les intérêts desquels nous allons pouvoir travailler au sein du bureau de l'Assemblée nationale. J'espère, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et très chers collègues, que nous allons commencer une nouvelle phase. J'entends donc, à mon niveau, évidemment, au niveau de mon office, de travailler avec toutes les forces politiques représentées dans cette Assemblée pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes afin de défendre les intérêts de notre peuple. À toutes et à toutes ces personnes que je n'ai pas nommément citées ou que j'aurais oubliées, ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, je dis grand merci. La séance se poursuit. Honorables députés, chers collègues, après ces mots, je demande au service de protocole de l'Assemblée nationale de conduire le membre du bureau élu au podium. D'abord, pour être salué par ses pairs, ensuite, occuper la place qui lui revient désormais au perchoir. Entre-temps, je demande à l'auguste assemblée de l'applaudir. Solo na loyembo ya Yerusalem Yesu akotaki lokola mokonzi nde bolandi mokambi wa yambo ya Assemblée nationale ande mbata betukumeso mangu a matina podium pona ko pesa le sako na mokambi wa Assemblée nationale honorable Christophe Mboso Kodia Mpwanga lolenge bozali kolanda yango mbote ya molai penza epesami elongo na molandi wa yambo ya Assemblée nationale na nsima akobaki na kopesa na baibilo apesi na rapporteur na molandi wa rapporteur questeur apesi na bilo mobimba ya Assemblée nationale wapepai akozwa sika elongo na bango lolenge bozali komona ayingeli esika ya ye pe bilo ya Assemblée nationale ezongi na mobimba na yango lolenge ezalaki yambo ete molandi mokambi wa yambo akoka bongo kotika ebonga ya ye ya mosala bilo ya Assemblée nationale yango wana ekoki na mobimba mpe molani mokambi wa yambo ya sika asili bongo kofanda ebonga ya ye ya mosala Clarisse Polende bilo ya Assemblée nationale ezongi mobimba ya seleka bilo ya Assemblée nationale mevutuka ya mvimba mutindu ben nyonsoke na kolanda beto André Mbata beto kumeso andi mokzabieka na kiti nanda kinsumu tuka kilumba bubu andi tavwanda pene pene na Christophe Mboso Kodia Mpwanga ina kele kodisi ya Assemblée nationale yonso meluta na mutimu mwose ya mbote na kumona ti banko wa kinzonzi yonso na mekuba kama awa bao peme tuba inga kundi mayandi mutindu yandi me kuvanda na mkwala na bao samu ya nandikisa kisalu ya bilo ya Assemblée nationale bose kakuzaka mutindu na kuvanda
naïna ne vous talent d'un bata, yandike le moutou moussi a nene moutou maïele, nakoutou bati, andike l'ongissi a nene, ya université à Mbanza et Kinshasa, ake pesaka diaka malongi naïsi Afrique du Sud, andike le moutou ina vanda katoa dispe a nene nakati, ya kimvuka, ya IDPS. Yon se na mesala, na mayele andike na yao, na kusala bise na kata ba organisme internationaux. Diambo ngwe na mesala ande, ba kuiza mingi penza kutala, mayele ina andike na yao, ame kuza ponama, samu na ku, ya tisa bisalu, ya pilo ya assemblée nationale. Ya solo bande ko balandi lokola toyebisaki na bino na ebandelite masolo ya mokomali ya bakeni beko ezalaki se na likambo moko omesa ya masolo likambo yango ezalaki kopona mpe kovandisa o ebonga ya mosala molandi mokambi wa yambo ya assemblée nationale bansa tolandi molulu uto etape ya yambo ya kopona eleki malamu lolenge elongo bani André Mbata Betukumeso Mangu aponami na bilembo kama minei na mibale pe etapi ya mibale za kibongo ya kumofangisa ebonga ye ya mosala ye wana si bongo kozwama oboso o pene pene ya mokambi wa yambo ya assemblée nationale papate ya zwi ebonga ya molani mokambi wa yambo ya assemblée nationale. Assemblée nationale, honorable Mokondi Christophe. Je voudrais, avant de m'adresser au premier vice-président, vous dire à vous tous, honorables députés de la majorité, tout comme de l'opposition, vous dire grand merci parce que cette élection me semble être un symbole de la réconciliation. Les collègues de l'opposition se sont mobilisés et sont venus voter. J'espère qu'il en sera ainsi dans tous les grands événements qui vont se dérouler dans notre Assemblée nationale. Félicitations à vous tous. Vous avez fait preuve de patriotisme et de sens des responsabilités. Grand merci et félicitations encore une fois. Honorable Premier Vice-Président de l'Assemblée nationale, au nom de l'ensemble de l'Assemblée plénière, de mes collègues membres du bureau et du personnel de l'administration de l'Assemblée nationale, je vous félicite très chaleureusement une fois de plus pour votre élection. Je reste convaincu que vous ne ménagerez aucun effort pour mériter davantage de la confiance vous témoignez par vos collègues dans la conduite de l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues, nous en arrivons ainsi à la fin de notre ordre du jour. Je voudrais aussi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier les scrutateurs et les témoins
qui ont organisé ces scrutins correctement. Chers collègues, grand merci, félicitations. Je vous prie de regagner vos places dans l'hémicycle. Sous l'applaudissement de l'auguste assemblée. Honorables députés, chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec notre ordre du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le sens élevé des responsabilités et pour votre précieuse collaboration dans le déroulement de cette élection. La séance est suspendue.